Eh bien, bonjour à tous, c'est Draco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Dark Souls Remastered. Remastered. Bref, on va aller dans toujours configuration pour voir les paramètres du PC. Plein écran, ok, c'est bon. Donc, on fait charger partie. Et cette musique magnifique, voilà. En fait, dans les options, bah, il y a le. Enfin, dans les options. Dans la sélection de la liste des sauvegardes, il y a le casque que j'ai. Et actuellement, j'ai le casque de sanglier. Et je pense qu'il y a. Bah, c'est ma première fois sur Dark Souls, donc je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai pas très bien faites. Et si je les avais mieux faites, je m'en sortirais beaucoup mieux. Donc je vais essayer d'arranger ça. On va essayer de rattraper le coup. Et c'est parti. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vos proches aussi se portent bien, qu'ils sont en bonne santé, vous comme vos proches et comme vos animaux de compagnie. J'espère qu'ils se portent bien. Et c'est parti. C'est parti, ma foi. Sur Dark Souls. Voilà. Donc on va s'asseoir. Comment on s'assoit? Voilà. Ça fait 2 semaines que j'ai pas joué, je ne sais pas comment on s'assoit. J'ai oublié. Merci beaucoup. Et donc, je suis humain ou quoi là? Mais on voit rien avec ce gros casque de sanglier. Bon, l'aventure, je sais même pas. Écoutez, pour progresser. Je suis une carcasse? Ouais. Je sais pas ça, ça sert à quoi d'être humain. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on peut. Voilà, niveau supérieur. On peut ou pas là? Âme requis 4000. Ah ouais! Endurance, c'est bien la barre verte, hein. Je passe de 104 en 108, c'est tout? Ouais, que voulez-vous? On est bien obligé, hein. Allez, confirmé. C'est bon là? Ma foi, oui, ça a l'air d'être bon. Donc, on en était où? Je m'en souviens même plus. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. On va remonter par ici. J'ai combien sur moi? 68, 5, 95, 10. Ok. Ok, allez, ascenseur. Je me rappelle plus où on en était. Hein. Je me rappelle plus du tout où on en était. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a ici? Comment on fait pour lancer? Ah oui. Et boum! Mais non! Ah ouais, j'ai cru que ça m'avait tué, j'allais dire, oh tu déconnes là! Et comme quoi, la barre de vigueur, elle est extrêmement importante, hein. La barre de vigueur est extrêmement importante! Voire peut-être même plus que la vitalité! C'est incroyable, la barre de vigueur dans ce jeu!
J'ai pas l'habitude de jeux comme ça, et là, là vraiment, c'est incroyable à quel point. C'est incroyable à quel point on en a besoin, quoi. C'est fou! Attendez, comment ça se fait que ça m'a fait tous ces dégâts là? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Allez, on y va. On voit les éclats du quand on marche sur le sol. Là, vous pouvez voir. Ah, c'est super. Sublime. On en était où? On était où? On était au jardin de noir souchette. Eh oui, allez. Je te dirai rien. Mais comment ça se fait qu'ils me font aussi mal? Je suis ultra carapassonné là. Oh non, non, mais là, non, mais oh, non, mais. Non, mais là, ça va 2 minutes là, bouclier de carcasse. Ah, c'est le même? Ah bah non, le mien est mieux. Ok, bah je rassure ça. Hop. Donc l'ascenseur il est pas loin. On va se retaper un petit ascenseur. On va prendre nos 10 fioles d'estus. Et ma foi, on va aller directement au jardin de Noirsouche hein, en remontant. Je sais plus trop où j'en étais, donc j'en ai profité pour tuer des ennemis. Et là je me souviens, donc on va aller directement au château de Noirsouche, non, au jardin de Noirsouche et peut-être dans les bassins et affronter tous les boss. Vous savez, je me rappelle, il y avait des boss endormis là. Il y avait des boss endormis, mais ça va pas être une mince affaire, je vous le dis quand même. À mon avis, je devrais farmer pour augmenter de niveau et surtout avoir de nouvelles armes, etc. C'est fou. Pourquoi j'ai pas de nouvelles armes là? J'ai toujours la même hache depuis le début. Où c'est qu'on achète des armes au Didiou? Allez, on se repose. Voilà. Bah je fouille, hein, je farfouille. Hein. Elle a rien à nous dire? Ok, il faut des âmes gardiennes du feu. En fait, je descends parce que je sais qu'en bas il y a un vendeur. Et je veux voir s'il propose des meilleures choses. S'il propose d'autres objets vu que j'ai avancé dans l'aventure. A mon avis, je crois pas. Ouais, c'est bon, je peux sauter là. Non, je voulais pas sauter tout en bas. Et moi, ça grogne, ça ronchonne, ça chute. Ça chougne. Ça chougne. Thank you.
1, 2, 3, soleil. Alors lui, dans une autre ville, était potier. Parce que... Bah, tout simplement parce qu'il vénère un pot. Hein. Je sais pas, moi, il était peut-être fabricant artisan, potier... Je sais pas. Il est où le vendeur? Enfin, puisqu'on est là. On va se faire ça. Mais j'ai pas une assez grande hache qui fait des dégâts. J'ai pas un bouclier de fou. J'ai franchement... waouh quoi. C'est où qu'on achète des équipements dans ce jeu? C'est fou. Là je me souviens qu'il y avait un petit... je crois que c'était par là. Oui voilà, c'est par là. Il est là. C'est là que j'avais acheté ma petite baguette du sorceleur là. Modifier équipement. Non, je vais pas bouger. Renforcer armure. Renforcer armure. Ah non, renforcer armure, renforcer armure. Réparer équipement. Je ne sais toujours pas quoi ça sert de réparer l'équipement. Acheter objet. Ah ouais, acheter objet, vas-y. T'as quoi? Ah, t'as que ça. Bah écoute, merci frérot. Modifier équipement, c'est quoi ça? Aucune arme à élever? Et pourtant, moi je veux bien élever des armes. Est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je peux améliorer ma hache? Je peux améliorer ma hache? Mais si j'en trouve une meilleure, je vais être dégoûté d'avoir amélioré cette hache. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? On va l'utiliser. Renforcer à ses conditions. Âme nécessaire 200. Ah bah c'est bon là. Et ça passe de 132 à 133 là? Pour de vrai? J'ai pas fait attention là. Non, non, renforcer armes. De toute façon, je ne peux plus. Hein. A bientôt frère. T'es un bon gars. Franchement, respect. Ah bah j'avais oublié lui. Allez. Et boum! Et voilà. Ni vu ni connu. Mets ton slip et va te coucher. Ma foi, ici, c'est un labyrinthe. Allez, c'est parti, on remonte. Direction jardin de Noirsouche. Et on va aller affronter les boss. Mais d'abord, j'aimerais passer par le village des morts vivants pour acheter des bombes. Donc ça va être quelque chose de rapide. Je me demande si d'ici on peut aller au village des morts vivants rapidement. C'est vraiment quelque chose que je suis en train de me demander, vous savez quoi? Parce que si on peut aller qu'est-ce qu'il me dit lui? Ok, lui il me dit rien d'autre. J'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Là, non, là c'était ça. Et vous savez quoi? Et ben vous savez quoi? J'ai bien envie de savoir qu'est-ce qu'il a à me dire lui. Fort bien. Alors, vous allez devoir commencer par prêter serment aux dieux. Ah franchement, cette phrase, je ne la comprends pas. Renoncer à ce serment et se lier à celui-ci? Mais c'est comme si j'avais déjà un serment. Ouh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah donc non, hein. Je suis désolé, désolé mon gars, mais moi, je sais pas, explique-moi ce que tu veux me proposer derrière ça. C'est pas trop mon truc. On peut aller par là. On peut aller par là, je veux dire. C'est quoi là? Ah, c'était pour récupérer ça. Oui, par contre, je vois qu'il y a un truc en haut. Comment y aller? Comment y aller? Ah, franchement, je vois pas comment y aller là. Hein. À part sur ce petit chemin. Mais c'est hyper chaud! Et puis en plus, après, comment on fait là? Est-ce qu'il y a une entrée ici? Non? Comment aller récupérer ce truc-là? C'est que pour les voleurs? Ah, il y a une tour! Ce qui ferait qu'on pourrait sauter directement sur le toit, mais elle est où cette tour? Comment l'atteindre? Trop de questions sans réponse, trop de questions sans réponse, trop de questions sans réponse. Non, j'avais dit village des morts-vivants. Quoique, je suis en train de me poser des questions. Non. Non. On va essayer de se les faire comme ça. Il faut que je voie si je peux faire des contres sur leurs attaques, parce que je ne sais pas. À moins qu'il faut avoir un bouclier plus puissant, vous savez quoi, pour pouvoir contrer. Et mon petit bouclier là à 66, et ben il fait pas le figure. Donc peut-être qu'il faut avoir un plus gros bouclier pour pouvoir parer leurs attaques, un bouclier avec beaucoup plus de défense, de résistance à la bousculade, de résistance au déséquilibre, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais en tout cas. Finalement, je l'aime bien ce casque de sanglier avec la chevelure derrière. Voilà. Eux, on va les appâter avec des couteaux. Et ben voilà. Ah, il y a quelque chose à prendre. Allez. Prends. Main gauche de Balder. Il est où lui? Il est là? Je le surveille. Ça m'a l'air d'être une sacrée arme ça. J'entends des bruits. Ça me paraît suspect. Donc jardin, je pense que c'est par là. Oh, fragment titanite. Ouh. Génial. Ah, quelque chose à prendre? Ah non, c'est la titanite. C'était à la... C'est titanite, titanite, c'est la titanite, titanite. Alors remarque, la titanite, on en a vachement besoin. Moi je vous le dis. Hein. Ouais, voilà, c'était le forgeron. Ouais, si tu veux mon humble avis, mon tout petit avis, mon minuscule avis. Non, c'est pas par là, parce que là il y avait une porte à ouvrir et le gars il était pas content. Mais là je me demande c'est combien. C'est 10 fioles d'astuces à ce feu ou moins? Parce que si ça me retire mes 10 fioles d'astuces là, je suis pas content là. Hein. Ou alors tant qu'on en a pas 4, ils nous en remettent pas 5, du coup ils nous laissent à 10 quoi. Et toi? T'as quoi à me dire? Alors modifier équipement, renforcer armure, réparer équipement, apprendre immote, non.
à acheter objet. Ah, je peux lui acheter des fragments de titanite? Ah ouais, mais ça, c'est pas bête du tout, ça. J'avais oublié. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué. Une ceste? C'est quoi, ça? Oh, rempart! Ah, il est beau, ce bouclier. Ah, 1000 âmes aussi. Remarque, mon bouclier, il est à 64. Donc bon, c'est un peu la même. Donc, on va acheter des fragments de Titanic. Renfort plus 5 armes simples. Ok. Je peux acheter combien d'âmes de Titanic là? Ouais, mais si j'achète autant de titanite. Bon, on va en acheter une. Du coup, est-ce que je peux augmenter là? Renforcer arme. Non, je peux pas. Là, il m'en faut plusieurs. Donc, renforcer armure. Ah, j'ai toujours ça sur moi? Ah bah, non, Didiou. Non, d'une pâquerette. J'avais oublié. Et ça aussi? Je les ai pas déposés dans mon coffre? Non! Et j'ai quoi comme gant là du coup? Gantelette de chevalier d'élite, 19, 7, 8, 5. Et là, gantelette de Balder, 19, 7, 8, 5. Ah bah c'est même ça, hein, parce que là c'est 19. Ah bah non, c'est 18, 18, 7. 18, 7, 8, 5. Pourquoi je peux pas améliorer le casque du sanglier? C'est une arme spéciale ou... Ah, il faut de la titanite scintillante. Ouh, ok, bon bah... laisse tomber. Et ça, 23, ça, 39. Non, par armure de cuir. On va améliorer ça. Ça veut dire que ça va passer de 39 à 42, de 17 à 18, de 18 à 19 et de 16. Ok. Et là, je pourrais améliorer les gants. Ah, bah ça augmente pas les autres caractéristiques là. Et les bottes. Oui, là ça améliore les autres caractéristiques, donc je fais ça. Ok. T'inquiète. Good morning, frérot. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais acheter deux titanites. Voilà, comme ça il me reste assez d'argent pour renforcer armure. Et je pourrais renforcer. Mais c'est quoi que j'ai équipé comme gants? Nous dit Joe. Voilà. Ah, ça augmente pas beaucoup, hein. Allez, ça. Ok. Comment ça? Où je vais comme ça? Salut mon pote, tu t'appelles comment? Parlez, t'as pas de nom? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai cru que vous étiez en train de devenir une carcasse. Hey, t'as de rôle d'humour toi. Je suis déjà une carcasse. Mais bon, pas lui en vouloir.
Allez, on va s'enfoncer un peu plus obscurément dans ce bassin méditerranéen. Là, y a rien ici, là. À prendre, je parle. Ah, y a pas un petit passage, là, pour se faufiler. Un passage secret, genre. Attention, hein, moi je surveille, hein, s'il n'y a pas des ennemis cactusés, là. Des ennemis en feuilles, là. Ils font très très mal. Et toi, tu peux leur faire mal aussi, mais il faut attaquer en premier. On peut les cueillir? On peut pas les cueillir? Ça me paraît bizarre, ça. Franchement, moi j'aurais mis ces fleurs pour une évolution de quelque chose ou pour une protection. Mais là, à mon avis, ce n'est pas le cas. Ok, il esquive. Mais t'es devenu de plus en plus fort, toi, frérot. Non, mais vous vous rendez compte, les dégâts? Les dégâts. C'est parce que j'ai augmenté mon armure et que j'ai augmenté mon armure qu'il est plus violent que les autres voix, là. J'arrive pas à comprendre, là. Touffe de lichen violet. Ça m'étonne qu'on peut pas les vendre, ces trucs là. Je me souviens plus où elles étaient, les carcasses de sang maudit là. Je crois que c'était au bout de ça, hein. Par contre faut pas tomber parce que là, si tu tombes, c'est la grosse misère. J'entends des trucs là. Ah bah oui, c'est ça. Allez. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus résistants que la dernière fois, alors que j'améliorais ma hache là. Et comment on va de l'autre côté? Ce jeu, c'est un truc de fou. Au niveau de l'agencement, ils ont carrément bien agencé, hein. C'est incroyable, franchement ça me bluffe le fait que tout est relié par des ponts, c'est quoi ça? Attendez. Non, y'a rien ici, hein. j'ai cru qu'on pouvait passer derrière le mur et là. Non plus. Non, ça me bluffe en fait. Ça comment on peut faire? On peut taper? Non. Vas-y, oh, fais-moi voir. Verrouillé par un genre de mécanisme. Mais il est où ce mécanisme? Il est où? Ok. Des locks. Non mais là c'est franchement c'est abusé. Les dégâts. Mais comment ils peuvent me toucher d'aussi loin? Vous voyez, avant ils faisaient pas ce genre d'attaque, hein. J'ai l'impression qu'en fait dans ce jeu, tous les ennemis réagissent par rapport à ton armure, par rapport à ta vigueur, par rapport... Vous voyez, c'est comme s'ils augmentaient de... Comme s'ils augmentaient de talent, là. En même temps que moi, j'augmente, eux, ils augmentent aussi. J'ai combien de fois le Destus? Bah écoutez. Village des morts vivants. Eh
Eh oui, c'est ça. L'autre, il essaie de me faire flamber, là. Ouh, je fais tomber. Donc, on va aller récupérer nos âmes. Hors de question, hors de question. Mais vous avez vu, les ennemis feuillage, la dernière fois, ils me posaient pas autant de problèmes alors que j'avais l'armure... J'avais l'armure... la simple armure... ça mène où, ça? Y a un petit chemin en bas? Non? Bah écoutez, on y va, hein. Non, c'est pas là, non! Et voilà... Alors remarque, est-ce que les coffres... sont refermés? Enfin, ouverts? Enfin, non, fermés. Pour pouvoir les ouvrir à nouveau. Mais c'est par où qu'on sort ici? C'est par où qu'on sort? Mais non, c'est pas possible, je vais devoir me farcir des squelettes, là. Bon, écoutez, mes chers amis squelettes, moi, j'ai pas le time. Pourtant, j'ai amélioré mon armure. Ouh, c'est quoi ce serment? C'est quoi ce serment? Voix immaculée. Non, faudrait que j'aille me renseigner sur ça. Réparer équipement, peut-être mon équipement il est naze, hein. Non, mon équipement il est bien. Il est bien mon équipement. Allez, on y go. On va récupérer nos âmes. Même si j'en avais pas beaucoup à ce moment-là. Donc l'ascenseur il est là, ok, let's go. Mais je comprends pas comment ça se fait que les ennemis me font autant de dégâts. J'arrive pas à comprendre. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous avez des astuces à me dire comment ça se fait, quoi. Que moi j'arrive pas à capter pourquoi. Allez, remonte vigueur, remonte vigueur. Oui, allez, boum. Merci monsieur. C'était où? C'était là. Ah ouais, mais l'autre... L'autre il essaye de m'avoir par derrière, hein. Freluquet, bah. Et en plus je me demande si les ennemis feuilles tu peux leur faire des... Tu peux leur faire des contres. Fragment de titanite, mais attendez, mais lui il arrête pas de me donner des fragments de titanite là. C'est ouf. Vous savez quoi, les fragments de titanite je vais les économiser. Ah non, mais là je pense que je suis mal barré, hein. Franchement je pense que je suis mal barré, hein. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai l'impression que ça sent pas bon, hein. C'est par où? C'est là? Non, c'est pas là. Lui, c'est la porte où il y a le chevalier carapassonné. Ah, faut pas que j'oublie ça. Faut pas que j'oublie ça. Et je vais essayer les petits couteaux sur eux. Vous savez quoi? Je vais essayer les petits couteaux sur les arbres. Je vais essayer de me tenir à distance et utiliser mes couteaux, mais eux ils ont des bras qui font 45 mètres. C'est pas normal, hein. Moi j'ai pas ça.
Non, il va me toucher. J'ai raté mon super coup en avant. Non mais est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Touffe de lichen violet, touffe de lichen violet. Je sais pas ça sert à quoi, je sais pas ça sert à quoi. D'ailleurs on va acheter un œil parce que ça commence à me saouler là. Allez, touche de lichen violet là. Allez, touche de lichen rouge, comment modifier affichage? Touffe de lichen rouge sans, touche de lichen curatif rouge prévient le saignement. Une hémorragie menace parfois d'éclater consécutivement à des taillades ou des emballements et inflige des dégâts sévères lorsqu'elles surviennent. Utilisez cette touffe de lichen avant la catastrophe. Ok, lichen violet. Touffe de lichen violet, touffe de lichen curatif violet prévient l'empoisonnement ou le soigne. Ok, le poison s'accumule dans le corps et quand son effet se déclenche, il inflige des dégâts progressifs. Pendant un certain laps de temps, le poison est une véritable plaie. Ah oui, ça je m'en rappelle avec les épisodes des rats là. Pensez à prendre une bonne quantité de lichen quand vous allez exposer à ce danger. Ok. Lichen curatif puissant et fleuri. Prévient l'effet des poisons et venins. Permet de les dissiper. Donc ça c'est genre pour les serpents qui m'ont attaqué l'autre fois. Les toxines sont des formes de poisons violents entraînant rapidement la mort. Les touffes de lichen dépourvues de fleurs sont inutiles contre les toxines. En manquer peut entraîner une fin prématurée. C'était quoi ça? Ah oui, la main électrique. Un crâne renfermant des âmes à lancer pour attirer certains types d'ennemis. Les âmes sont des concentrations d'essence vitale et les morts vivants affamés ont bien du mal à résister à leur appel. Ne fonctionne pas avec tous les ennemis. Ok, ça c'est pour affronter les fantômes. Fragment d'os réduit en poudre blanche permet de retourner au dernier feu. Visiter pour s'y reposer. Ça c'est pas mal ça. Les feux sont alimentés par les os, mais j'en ai que 7. Des morts vivants. Dans certains cas, ces os sont imprégnés de la volonté de leur propriétaire de retrouver un feu. Ou de trouver un feu. Hein, ce qui leur donne le pouvoir d'y téléporter l'utilisateur. Et ça. Grande âme de soldats morts vivants transformés en carcasse il y a bien longtemps. Permet d'acquérir bon nombre d'âmes. Les âmes sont la source de toute vie. Et elles attirent la convoitise d'âmes vivants. Bah écoutez, on va faire ça une fois qu'on aura... Petit esprit noir trouvé parfois sur les cadavres pour gagner un point d'humanité et de récupérer de nombreux DPV. Permet de gagner un point d'humanité et de récupérer de nombreux PV. Mais quand je me transforme en humain, j'ai pas plus de PV. Est-ce que c'est à utiliser comme une potion ça? On nomme ce petit esprit humanité, mais on sait peu de choses de sa vraie nature. Si l'âme est source de toute vie, comment définir spécifiquement l'humanité? Ça, je me pose la question ça. Et ça c'est quoi? Comment on l'utilise? On verra. Je prends ça. Je vais voir si ça me rend des PV. Je vais essayer. Comment on utilise? Comme ça. Ok, ça rend des PV. Mais du coup ça sert à quoi d'être humain? Quand t'es humain ça te rendrait peut-être plus de PV? Ou alors c'est juste un truc qui fait les deux à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, là c'est là. Eh, on utilise des couteaux, hein. Regardez. Schlass. 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 J'ai l'impression que ça le stun un peu. Ah non, mais les couteaux, ça fait pas beaucoup de dégâts, hein. Imaginez, qu'on tombe sur 5-6 ennemis comme ça. C'est sûr que je vais me faire ratatiner le... Ah, on peut sauter, là? Pour de vrai? J'hésite.
Est-ce qu'on peut sauter? Ça me paraît que oui. Mais en fait, ça me paraît que non aussi. Ça me paraît être mal engagé là quand même. Ou peut-être justement c'est en descendant qu'on remonte et qu'on passe par là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Oui. Alors, on recule, si vous voulez, mon humble avis. Non, tape pas dans l'arbre, tu vas te prendre des... Mais voilà, ils ont des bras qui font 45 mètres, comment voulez-vous que je lutte? Je peux pas? Voilà, là il va m'enchaîner. Il recommence. Super. Non mais franchement. Je vais prendre mon armure de maille là. Non mais c'est franchement catastrophique. Je vais essayer de le stun au couteau. Non, recule. Il a des bras de 72 mètres. C'est Dalsim, mais en feuillage, lui. Oh là là, nom d'une pâquerette, nom d'un dieu. C'est quand même pas croyable. Mais est-ce que tu... Mais lâche-moi. Tu me causes déjà assez de soucis quand tu... Quand t'es vivant, là, avec tes bras de 14 mètres, Dalsim, là. Bon. Allez, on y va. Nos âmes, elles étaient où? Je me souviens plus. Ah, elles sont là. Cool. Cool. Daddy cool. Cool. Daddy cool. Daddy cool. Daddy cool. Ah ouais, quand même, j'avais quand même pas mal d'âme. Hein. Ça, faut l'avouer, ça. Là, ils vont être extrêmement plusieurs. Mais non, mais pas de ce côté. J'ai loqué l'ennemi. J'ai loqué l'ennemi. Non, pas cette attaque qui va me toucher. Là, j'en ai marre. Je vais changer ça. Et je vais utiliser ces feuilles de lichen touffu là. C'est quoi ça? Préviens le saignement. Ok, à mon avis, eux, ils ont pas l'air de me faire du saignement. Je sais même pas ce qu'ils me font comme dégâts. Qu'est-ce qu'ils me font comme dégâts, eux? Oh là là, c'est quand même extraordinaire. Allez, couteau. Il en reste combien là? En fait, ce qui est très bien avec les couteaux, c'est que ça stun. Ça stun, c'est magnifique. Ce qui fait qu'il se rapproche de toi, il commence à t'attaquer. Tu le stun avec un petit couteau et bam, t'enchaînes avec ta hache derrière. Vous voyez? C'est pas... pas si bête que ça, hein, ce que j'étais en train de faire là. Mais bon, je me retrouve ici avec 8 fioles d'estus, hein, bien évidemment. Et ici, il y a 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 ennemis. Et lui, je sais même pas si je peux parer leurs attaques. Et en plus, je vise à côté. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh!
Attends, c'est ah, c'est quoi, il s'est régénéré? Allez, au secours! Mais fuis! Pourquoi je n'ai pas pu fuir? Comment ça gaffe? C'est chaud! C'est chaud, comment ça gaffe? Ah, il faut que j'augmente ma barre de vigueur. Bah, dans cette partie, si je récupère mes âmes, je vais essayer de le contrer. Je vais essayer de contrer son attaque. Parce que ça me paraît bizarre quand même que on serait obligé de pas contrer, on serait obligé de subir tout ça là. Voilà, lui, il a une vigueur, il t'attaque tout le temps, il a une vigueur de ouf, lui. Espèce de sale marsouin des îles, des c'est où déjà que je dois aller, des îles Galapagos, là. Allez, let's go. Ah, peut-être parce que j'étais plus rapide avec mon ancienne armure, ce qui fait que je... Ouais, je faisais peut-être des bons plus loin. C'est possible, plus on est plus léger, plus on fait des bons loin. Et donc je pouvais les toucher assez facilement, les espèces de petits arbustes, sans utiliser mes... mes couteaux, mon dindjou. Ça a pas traîné. Quand même extraordinaire, franchement c'est quand même extraordinaire là. Là c'est extraordinaire, mais à un point cataclysmique là. Voilà, un petit couteau, ça fait l'affaire. Et après j'attaque. Et quand ils sont plusieurs quand ils sont plusieurs, va attaquer quand ils sont plusieurs. Ah, allez, on avance. On va rechercher nos âmes. On va rechercher nos âmes. Lui va se lever. Voilà. Un petit stun. Ça va. Je me suis mieux débrouillé que... à l'heure. Ah, ça a l'air qu'on peut aller en bas, hein. Mais là je crois que si chaude je meurs là. Pour
pourtant, il a l'air d'avoir quelque chose. Il a l'air d'avoir quelque chose. Oh! Oh, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, ça a l'air assez joli, mais en même temps, ça a l'air très méchant. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Ils sont trois, c'est bien trop pour moi. Je vais mourir. Allez, fouille! Bon, lui, on va pas le déranger, il fait sa sieste là. Où faudrait aller ici? Faudrait aller. Ouais, l'arbre il bouge, j'entends qu'il bouge en plus. Il fait du bruit. Ok, on peut pas le loquer tant qu'il est pas levé, hein. Merci, hein, ça fait plaisir. Ah, je peux me protéger! Et par contre, derrière, je prends bonbon. Hein. Je prends saccade hein, derrière. Non, mais franchement! C'est inadmissible! J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix. Vous savez quoi? Je vais récupérer mes âmes et je vais farmer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, ils sont intouchables. Et en plus j'ai que 51 couteaux, j'ai que 51 couteaux. Allez, on va prendre l'arbalète au lieu des couteaux. Cool. Ah, c'est la paroisse des morts vivants. Comment on utilise? Comme ça? Armure de Balder? Ben je l'ai pas déjà? Attendez, je regarde là. Armure de Balder, c'est où, c'est là? Armure de Balder, elle est où? Là j'ai plus 1. Ah, elle est plus légère, l'armure de Balder. En même temps, ça rime. Elle est plus légère, l'armure de Balder. 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 Écoutez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Il m'a vu de loin? C'est ça? Oh mon vieux! Alors là, fallait pas trop charger, mon petit vieux! Let's go! À chaque fois, faire tout le détour, vous savez quoi? On va se reposer au feu là.
Mais si le feu me donne que 5 fioles. Oh, esquive. Oh, esquive. Oh, esquive. Allez hop, les deux d'un coup. Une pierre de schlasse. Je vais devoir déjà dépenser une fiole d'estus. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez un petit peu compte du traquenard dans lequel je suis là? Je sais même pas combien il me donne ce feu. Allez, on teste. Donc là je reste à 10 fioles d'estus peut-être parce que j'ai pas utilisé mes fioles d'estus et que je suis pas descendu en dessous de 5. Mais il me semble que ce feu il donnait 5. Et là y'a pas quelque chose de passé là? Non? Non. Apparemment. Puis en plus, j'ai l'impression qu'on peut pas grimper dans ce jeu. Bon, peut-être que je peux me tromper, hein. Pas expert, excusez-moi pour le hockey. Vous êtes bien gentil. Vous êtes bien gentil. Franchement. Allez, Zach là. Esquive. Mais. Oh. Il me touche de hyper loin. Bon bah contre eux, arbalète hein. Arbalète ou couteau. Eh oui. Bon, on s'en sort pas trop mal. Jardin de noire souche. Non mais est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte des dégâts? Mais comment aucune solution. C'est quoi? Non, pas ça, non, pas ça. On va utiliser ça. Allez. Non, pas ça. Ça c'est mal rendu, les flux, réduit le poison. Il est là. Mais non. Purée, 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 purée. Alors là je peux pas mourir. Je ne peux simplement pas mourir. Je dois récupérer mes âmes. Je dois récupérer mes âmes. Ah, oh, je peux me protéger. Vous voyez? J'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter pour voir si je pouvais me protéger. Ça dure combien de temps l'effet là? C'est immédiat ou... Faut une pierre de schlasse? Non mais faut que j'apprenne à me protéger hein. Parce qu'en fait, j'hésite. Vous savez pourquoi? Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je peux me protéger ou pas? Ben voilà, vous avez vu? Quand on sait qu'on peut se protéger, tout devient plus simple. Tout devient plus simple. Franchement, on peut se protéger quoi. Mais n'empêche que quand on a 2-3, c'est chaud. Parce que quand tu te protèges, ta barre de vigueur elle descend.
Ok. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Je te dirai rien, vas-y frérot. Donc... Mais bien sûr. Mais vas-y, mais vas-y, mais vas-y. Est-ce qu'il craint les couteaux? Non, là il craint rien, il est pas relevé. Non mais là je vais péter un câble. Là je pète un câble. Là je m'enfuis. Je m'enfuis. Parce que là ça suffit. Tu vas me suivre? Tu vas me suivre? Bah suis-moi. Blague là. Utiliser une touffe de lichen contre lui, ça fait un peu pitié, non? Ah, t'es bloqué! Ah, il est bloqué! C'est un peu con ça quand même. Mais bon, tant mieux, hein! Allez, attaque! Voilà, alors, on va en venir à bout hein, de cette carcasse. Le problème c'est que je sais même pas il y a quoi plus loin. Ça se peut ici, il y a rien. Il y a rien ici. Entre les arbres qui vont se réveiller, les voilà, eux. Vous vous rendez compte? Tous qui sont à dormir là? Est-ce que vous vous rendez compte? Faut être hyper fort. Et je ne le suis pas. Comment ça vous n'êtes pas? Bah je suis pas fort. Je sais même pas qu'est-ce que je peux me protéger contre qui, contre quoi, contre donc au niveau du combat, je suis un peu J'essaie de trouver un petit chemin en esquivant. Ça c'est quoi ça? Ah non, ça va pas me refaire le coup deux fois ça. Il est mort? Il est mort ou pas? Je peux pas le viser. Oh là 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 là, espèce de petit fumier. On est passé. Y'a quoi ici? Mais allez, mais allez, mais allez, mais qu'est-ce qu'il m'a... Il m'a fait un truc de fou, je peux plus bouger. Bon. Vous savez quoi?
Ce feu donne 6 fioles? Ah bah non, il doit en donner 5, mais comme je suis mort que j'en avais une. Bon, tu sais quoi? Je me dépêche, je fais un détour, je récupère mes âmes et on s'arrêtera là. Ouais. On s'arrêtera là parce que là là c'est j'ai trop de choses à apprendre. Je vais me dépatouiller tout seul de mon côté. Ou alors peut-être que je vais me filmer et que je mettrai sur ma chaîne hein, le quoi. Bah oui, ça on sait pas. On sait pas le quoi. Ils sont résistants ces ennemis là. Foiré, enfoiré. Allez hop. Ça suffit au bout d'un moment? Ça suffit ou pas? Mais bien sûr! Vas-y mon cochon! Je te dirai rien. Franchement, ma première fois sur Dark Souls, je dois apprendre plein de choses. Est-ce que je peux parer? Est-ce que je peux faire des contres sur les gros ennemis? Ça, je vais l'apprendre. Est-ce que je peux parer en toute tranquillité, etc., etc. Parce que je ne connais rien. Et jouer à Dark Souls quand tu connais rien, ben en fait, t'as envie de te tenir de loin parce que tu sais pas si tu peux ou si tu peux pas. Et du coup... Mais bien sûr! Mais avant, il me semblait qu'il fallait moins de coups pour les tuer. C'est quoi le souci là? Bah écoutez, on va frauder hein. On va frauder. Parce que bon, au bout d'un moment, faut frauder hein. Vous trouvez pas? Ok, il se réveille. Ok, donc là on est dans de mauvais draps là. Moi je veux juste récupérer mes âmes hein. Elles sont où? Elles sont là. Ok, on avance, on monte. Je sais pas ce qui m'attend en haut, mais on monte. A mon avis, ce sera toujours mieux que ce qui m'attend en bas. Oh non, pas un brouillard. Ah, il monte les marches? Bon ben brouillard alors. Allez, allez. Oh non, voilà. C'était le truc que je voyais. Comment on fait pour se battre contre lui? Comment on fait? Il y a un brouillard là, j'y vais. Je peux pas y aller? Eh ben on est dans la merde. Super, mais oui, mais bien sûr. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte là? Là j'ai aucun moyen de lutter là. Purée, j'ai pris mes flammes. Mais comment ils veulent qu'on vienne à bout de ça? Comment? Le gars il t'envoie un truc, il t'enlève toute ta barre. Toute ta barre. Donc je suis à 0 âme. Ok. C'est plutôt sympathique. Donc vous savez quoi tout le monde, je vais reprendre mon bouclier. Écoutez tout le monde, on va se laisser là. J'espère que que je vais mieux me débrouiller. Je vais m'entraîner hein. Je vais mieux me débrouiller, je vais essayer de m'entraîner.
Et je saurai maintenant qu'en haut de ces marches, il y a le papillon Luciole de feu intergalactique de je sais pas quoi, de je sais pas comment, de quoi qu'est-ce, quoi que qui se passe. Hein? Bon. Ouais, je suis en train de penser, franchement, c'est, je comprends pas. C'est quoi? C'est mon armure qui est pas au point. C'est, je sais même pas pourquoi il y a des armures de cuir. Pourquoi? Parce qu'elles paraissent moins fortes. Est-ce qu'elles sont plus fortes face à certains éléments comme, comme le papillon là, enfin comme le, je sais même plus comment ça s'appelle là, le papillon. Ben je vous dis salut et je vous dis bye bye dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que vos proches se portent bien aussi et aussi vos animaux de compagnie qui se portent bien. Et je vous dis bye bye et à la prochaine.